Buon pomeriggio a tutto il pubblico di Torino Spiritualità che quest'anno si ritrova intorno a un tema forte, importante che tutti ci coinvolge profondamente, quello del respiro. Siamo qui con Pascal Bruckner, che è un grande intellettuale francese, abituato a solleticare il presente, a raccontare e spiegare meglio di chiunque altro i punti deboli del nostro tempo, del nostro pensare. Eh, siamo qui con lui eh, per, per raccontare e ascoltare quello che ha da, da dirci sul, sul tema del respiro, sul nostro stare al mondo in questa stagione così complicata, ma anche per discorrere del suo ultimo libro appena pubblicato da Guanda editore in italiano intitolato Una breve eternità. Eh, il tema è, de, è quello del nostro rapporto col tempo col tempo che passa, con la vita che va verso una direzione che è l'unica certezza che tutti noi abbiamo, e cioè che prima o poi si lascia questo mondo. Ma è un libro molto rasserenante per certi versi. Pascal Bruckner, il vostro libro è molto interessante con tutti quelli che scrivete, perché non è il un non de certitude, et il n'est pas, et même pas de soulagement, mais c'est euh, c'est la lucidité que vous avez en, en, en explorant le présent qui qui nous qui nous frappe un peu, qui c'est très très intéressant parce que nous 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 donne à, à réfléchir toujours. Alors je voudrais commencer cette conversation à l'envers, c'est-à-dire commencer avec euh, ce que vous dites à propos de la mort, qui c'est une phrase Très très, très intéressante et très très plein de d'épaisseur. Vous dites la, la la mort des autres c'est une formalité atroce. Je vais traduire votre traduction. Alors oui, je j'ai contraire. Ma mort est vous... une formalité. La mort des autres est atroce. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette perception de la mort? Euh, je, euh, voilà, je, je vais un, un peu répéter ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, la mort étant inévitable, nous sommes obligés de nous euh, focaliser sur cette issue. mais nous rencontrons la mort plusieurs fois dans notre existence, euh, à travers la mort des autres. alors, il y a une logique et une hiérarchie de la mort. il est normal que les euh, générations les plus élevées disparaissent avant euh, les, les plus jeunes. Parce On dit toujours euh, le, le temps de guerre, c'est quand les enfants meurent avant les pères. Le temps de la, de la paix, c'est quand les les pères meurent avant les enfants. Et je pense que la, la véritable tragédie, effectivement, c'est plutôt la mort des êtres aimés, beaucoup plus que la euh, sa 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 mort propre, qui est évidemment une comme je l'ai dit une formalité atroce mais enfin c'est quelque chose avec laquelle on vit tout au long de son existence donc euh, euh, nous sommes mortels mais euh, nous ne supportons pas l'idée que les gens que nous aimons puissent disparaître avant nous et je pense que le, le, le seul souhait qu'on puisse formuler euh, en tant que vivant c'est de, de de partir avant avant tous ceux et toutes celles que que, que nous que nous aimons mais ça c'est euh, c'est disons un peu impossible on laisse toujours euh, on, on laisse toujours quelqu'un avant de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible, c'est un vœu pieux. Mais, et... euh... Mais, et... Mais euh... non, non, c'est un, un vœu pieux. Mais euh, c'est en tout cas comme ça qu'on aimerait que les choses se passent, c'est-à-dire euh, partir avant euh, tous les êtres qu'on laisse derrière soi. Ouais. Mais euh, concernant ce thème qui est un peu, disons, difficile à affronter vous pensez que c'est temps présent c'est euh, présent euh, il, il il marche sur l'illusion de pas mourir jamais on a on vit un peu de, maintenant dans cette pas je dis pas dans, dans la dernière saison qui qui nous a posé euh, qui nous, qui nous a donné le, le virus et tout ce qui qui concerne le, notre rapport avec la maladie, qu'on va en parler tout de suite. Mais euh, notre présent avec la, méde, la médecine, le progrès et tout ça, il, 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 il porte avec soi-même soi l'illusion de peut-être de, 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 de vaincre de, euh, la mort. Oui, c'est est... oui, le courant transhumaniste qui a été très fort euh, dans les années euh, 2010-2015 puisqu'on nous promettait de la mort de la mort, c'est Raymond Kurzweil, c'est l'école le, le, de la singularité euh, euh, sur la côte ouest de, des États-Unis, c'est tous ces millionnaires ou ces milliardaires qui euh, lancent des, euh, des recherches pour craquer le noyau de la mort et nous rendre immortels, et j'entendais à, à midi aux informations que Elon Musk, à son tour, veut créer un cyborg pour réparer, pour augmenter l'être humain. Alors s'il s'agit simplement de, de permettre à chacun d'entre nous de mieux affronter la maladie, effectivement c'est très intéressant, mais l'idée que finalement la mort est une anomalie à laquelle nous devrions remédier me paraît une idée à la fois folle et dangereuse parce que les, les, la, la mort est aussi le seul moyen que nous ayons trouvé de renouveler les générations. Il faut que certains disparaissent pour que d'autres euh, arrivent sur cette terre. Et si les, le cycle de la faim s'arrête et que les, les générations s'accumulent avec des gens de plus en plus vieux, euh, il risque d'y avoir un, un, problème, un problème majeur. Et de toute façon, euh, médicalement c'est impossible donc le, le le Covid a été une sorte d'ironie euh, tragique puisque le, les gens qui parlaient de, de de tuer la mort sont sont morts eux-mêmes d'un d'un rhume de quelques postillons qui les a terrassés euh, donc ça la la, la la recherche sur la l'immortalité pour l'instant connaît un terme mais ça reprendra parce que le, le, le cerveau humain veut évidemment toujours repousser les limites. Oui, c'est vrai que c'est difficile d'accepter que la seule certitude qu'on a quand on vient au monde, c'est de, 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 de s'en partir à un certain moment. Euh, et ah. maintenant, on vient le le thème de la maladie qui est aussi bien traité dans votre livre, une, dans une façon, euh, je pense, très originale. Vous dites. Que la maladie nous c'est pascal enfin que la maladie nous nous, nous apprend au moins trois choses c'est la prudence la résistance et la fragilité alors maintenant on connaît bien sous ces trois tous ces trois euh, ce bagages euh, disons éthique mais aussi de, de, de la vie quotidienne euh, qu'est ce que nous a emporté Qu'est-ce qui a amené avec soi-même le, le virus dans, dans, dans ce cadre, dans notre rapport avec la fragilité et la maladie Je crois que le virus n'a pas été pascalien du tout. Il a non. été euh, moderne. C'est-à-dire que quand le virus est arrivé, on l'a traité comme une contrariété, comme une anomalie dans l'idéal euh, du progrès indéfini. Et donc certains ont parlé d'une grippette, euh, d'autres ont expliqué qu'au bout de deux mois, la, la, le, le mal serait vaincu. Et ce que le, ce que le virus traduit surtout, c'est l'impatience des modernes. C'est-à-dire être moderne, c'est être impatient. C'est-à-dire ne jamais tolérer le moindre intervalle entre le, ce que nous désirons et ce que nous obtenons. Et puis, euh, le, la, la troisième chose aussi que révèle le Covid, et de, de façon flagrante, c'est le, l'obscénité du mot incurable. Pour l'instant, nous ne savons pas guérir cette maladie. Ouais. Nous avons essayé plusieurs médicaments qui sont tous impuissants. Et euh, l'idée que un, un, un petit virus vicieux euh, tient en échec toute la science et tient en échec aussi tous les laboratoires qui sont en train de rechercher un, un vaccin sans y arriver. Cette idée-là, effectivement, est insupportable pour nous. Ah ouais. Et donc, toute la querelle autour du masque, qui est certes très désagréable, est en quelque sorte le symptôme de notre, notre allergie à l'idée qu'un qu virus résiste à l'intelligence de la médecine. Ça, c'est très vrai. Il faut le il faut mémoriser très bien. Je pense qu'il y a une autre chose qui nous a a pris le virus et surtout le lockdown, l'évidence que notre société ne peut pas s'arrêter, ne, ne peut pas, comme on dit en italien, prendre un soupir. Euh, le, le, le thème de, de, de ce oui. festival, c'est respirer. Ah, c'est une belle expression. L'effet <laughs> le que, euh, que, que le lockdown nous a obligés à... Tout fermé, tout, tout arrêté c'était insupportable. C'est ça, euh, ça fait partie du, du, de, la, de notre impatience, ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, oui, je pense que effectivement, l'arrêt la, 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 de la vie ressemble un peu à une sorte de mort au ralenti, et que les gens n'ont pas supporté ça, être enfermés chez eux, en tête à tête avec eux-mêmes. Beaucoup de couples ont divorcé parce qu'ils étaient forcés de rester l'un avec l'autre. Euh, il y a eu aussi des violences, des violences conjugales dues au, dues au Covid. Euh, et puis il y, a eu aussi des, il y aura aussi probablement des naissances. Hein, C'est aussi le bon ah côté. Ouais, bon, <laughs> il y aura probablement un Covid-boom, un Covid-baby-boom COVID qui sera une, une, une bonne nouvelle. Mais euh, euh, oui, cette idée... Cette idée que finalement nous sommes obligés d'aller en vacances en plein hiver à cause de, de, du, du virus, à ravir les, les uns et à désoler les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre la coexistence du travail, sinon c'est l'effondrement économique et de, et de la maladie avec toutes les conséquences qui, qui s'en suivent. Donc l'Italie a payé un très lourd tribut au Covid, l'Espagne aussi, la France également nous sommes les trois mauvais élèves de l'Europe en ce domaine hélas hélas mais euh, mais je, je crois que c'est vraiment le rapport au temps de la guérison qui est le qui qui est le plus troublant dans notre dans notre relation au Covid parce que précisément nous avons tous espéré naïvement que euh, ouais. quelques essais en laboratoire allait nous débarrasser très vite ouais, de nouvelles nouvelle grippe et pas du ouais. tout le virus est intelligent, le virus mute, le virus euh, se transforme, et nous, nous ne nous, 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 nous bougeons pas. C'est-à-dire, s'adapte à l'ambiance beaucoup plus, beaucoup mieux que nous, en fait. Bien et, sûr. Oui. Euh, et c vous savez, c'est que on disait en Italie euh, au début de toute cette histoire Ah bon, c'est tragique, mais on va en sortir meilleur. On va apprendre quelque chose qu'on savait pas. Et ça, ça va nous donner de, 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 de la valeur. Euh, maintenant, cette histoire qu'on va sortir, euh, on va apprendre quelque chose, on, on va devenir meilleur à, à, après ce, cette épidémie et on peut accéder. Qu'est-ce que vous pensez à ce propos On va, on va vrai, apprendre on peut, à quelque chose Oui, je pense que c'est un peu de l'ordre des bonnes résolutions qu'on prend chaque année au 1er janvier. On se promène. Ah oui. De ne plus boire, d'être gentil les uns avec les autres, et ça ne tient pas plus de 24 heures. Euh, non, ce, ce qu'on a appris dans le, dans le Covid, c'est vraiment la prudence. C'est-à-dire que tout d'un coup, et c'est ça qui est terrible, toutes les relations humaines, les plus ordinaires, même s'embrasser, se serrer la main, oh. euh, s'étreindre, sont devenues, toutes ces relations humaines sont devenues suspectes et potentiellement porteuses de mort. Donc, euh, le, 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 le côté euh, pernicieux du, euh, du Covid, c'est qu'il frappe les relations humaines d'interdit, en quelque sorte. Au fond, quand il y avait le sida, il n'y avait qu'un seul acte ouais. qui était euh, dangereux, c'était l'acte ouais. sexuel. Là, c'est la respiration, il est, elle, est, elle est unanime dans, dans toute la société. Nous, nous, nous sommes des êtres respirants les uns à côté des autres, et si euh, on bloque cette respiration, effectivement, cela veut dire que tout autrui est mon ennemi. Toute personne, même un enfant euh, euh, qui est près de moi, peut, comme me communiquer la, la, la maladie sans lui-même en souffrir. Donc, c'est là où le, le Covid rajoute une, une inconnue euh, un peu terrifiante dans la, dans la grande histoire des, des maladies de l'humanité. C'est vrai, c'est très vrai. Il faut réfléchir sur ça. Et ce que j'admire de vos livres, c'est que vous êtes toujours en dehors du pessimisme et optimisme. Vous êtes au-delà de ces catégories un peu, dis disons, réductives, si on peut. Et, et même dans ces livres où on, on parle de la mort, de la maladie, de notre acceptance ou non acceptance de, de la vieillesse, vous donnez une vision qui, qui n'est pas ni optimiste ni pessimiste. C'est quelque chose de très original. Je voudrais passer maintenant de la mort, de la maladie à, à, à la, à le bon, au bonheur. Vous parlez beaucoup du bonheur ici dans ce livre. Ce qui m'a beaucoup étonné, m'a beaucoup plu, c'est votre définition de, de bonheur. Il y en a deux types, vous dites. Un euh, qui est soulagement. Et l'autre qui est intensité, c'est-à-dire sont, sont des de catégories opposées. L'une, c'est respirer. La, la première, c'est respirer de, avec soulagement, et ça, c'est euh, euh, un type de bonheur. Et l'autre, c'est vivre avec force, intensité le moment. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre idée de félicité qui est très, très inclusive, je pense Qu'on peut conquérir même dans ce moment-là euh, Oui, c'est oui, il y, a, il, y a, il y a un bonheur dans le repos. Il y a un bonheur dans la tranquillité de l'âme. D'ailleurs, tous les classiques grecs et latins n'ont cessé de célébrer euh, le bonheur comme ataraxie, par exemple, ou comme absence de soucis. Et puis, il y a aussi un autre type de bonheur euh, que l'on recherche plutôt quand on est jeune. C'est-à-dire, c'est la prise de risque, c'est l'idée que la vie doit aller vite et qu'elle doit enchaîner les moments intenses. Donc, ça peut être le bonheur amoureux, ça peut être le bonheur aussi dans le dans la dans le dans, dans le dans le sport, dans la dans les, les grands risques, dans l'aventure, dans dans tous les moments où la vie est mise en jeu. Et euh, au fond, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui sont calfeutrés, c'est-à-dire enfermés chez eux. Et puis il y a les gens qui aiment s'exposer. Euh, c'est-à-dire se mettre en danger. Et je pense que nous alternons selon le tempérament de chacun l'une ou l'autre position. Parce qu'un bonheur qui ne serait fait que de euh, moments tranquilles, un bonheur qui ne serait fait que de retrait, euh, serait probablement très vite ennuyeux parce que la, 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 la vie ne, ne, se, ne se mettrait jamais en jeu. Et en même temps, si, euh, si, euh, si on... Euh, pardon, excusez-moi. Le téléphone sonnait et en même temps, il peut y avoir aussi une routine du risque, c'est-à-dire que les gens qui euh, euh, prennent des risques en permanence deviennent en quelque sorte les fonctionnaires de l'aventure. Donc la, la tout, voilà, toute la qualité de la vie, c'est une sorte d'équilibre entre les, entre ces deux positions. Mais euh, oui. j'aime le repos, mais j'aime aussi parfois. Euh, me mettre en danger. Personnellement, j'aime beaucoup la montagne, donc c'est le moment où je j'affronte l'inconnu. Euh, mais euh, euh, il, est, il serait triste, selon moi, que la vieillesse, ou en tout cas que l'âge, après 50 ans, soit uniquement synonyme de, de, de retrait, et que qu'on s'enferme dans une espèce de sagesse qui serait l'autre nom de la résignation. Non, ça j'aime beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce, ce que vous écrivez à propos du droit de l'âge âgé, d'avoir de, oui. de, 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 les deux types de, de bonheur, pas seulement. Oui, les deux types. Le... Voilà, exactement, parce que sinon, ça veut dire qu'on condamne 30% de la population dans les pays occidentaux à, à vivre en quelque sorte au ralenti, à vivre en rase-motte. Et on fait de, on fait des personnes, des seniors, on, on en fait en quelque sorte les pensionnaires d'un 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 hôpital pour personnes âgées. Euh, et et évidemment, c'est les maisons de retraite existent pour personnes très âgées, mais euh, avant d'en arriver là, il y a mille autres manières de vivre la la grande maturité. Et de se passionner à la vie, de continuer à se passionner à la vie. Et, exactement, oui. Et euh, euh, pour pour euh, arriver à, à la fin de cette conversation pas du votre livre et des des de, 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 de pensées qui, qui 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 vont sortir pour chacun de nous en, en lisant de, de nous en lisant votre livre je je pense que si euh, il faut le définir euh, c'est un dans dans dans, une, dans, une, dans des mots que vous vous, vous écrivez vers la fin c'est-à-dire, il faut à la fin dire oui à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce message de, qui est de, 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 de dire oui et, et aussi merci à la vie parfois Oui, je, je pense que la, euh, effectivement, la première chose que l'on doit dire une fois qu'on a atteint l'âge de 50 ou 55 ans, d'abord, c'est un message de gratitude. La vie a peut-être été difficile, la vie a été cruelle. Nous avons échoué dans certains domaines, mais au moins, il y a une promesse qui a été tenue, c'est que nous avons vécu. La vie nous a peut-être désillusionnés, au moins, euh, euh, au moins nous a-t-elle permis d'être sur cette terre. Et puis je pense qu'après un certain âge, chaque jour qui passe est un peu un miracle. Et là, je me rapproche évidemment beaucoup de la philosophie stoïcienne, Cicéron, Sénèque, et je pense que leur, leur, leur principe consistait à dire... Lorsque nous, euh, nous nous couchons le soir, nous devons remercier les dieux de nous avoir accordé cette journée. Lorsque nous nous levons le matin, nous devons les remercier de nous donner une journée supplémentaire. Alors évidemment, il y a quelque chose de très euh, euh, ascétique dans la philosophie stoïcienne, donc on peut l'agrémenter d'un peu d'épicurisme, mais je pense qu'effectivement l'idée qu'au fond, chaque jour qui vient est un cadeau. Un don que nous fait l'existence et un don sans raison, c'est quand même une idée qui nous permet de nous lever avec un certain enthousiasme, sans sombrer dans la dans ce qui constitue la maladie des personnes âgées, qui est l'amertume, c'est-à-dire finalement le constat que la vie va continuer sur nous sans nous et que pour nous, pour l'essentiel, les jeux sont faits. À partir du moment où une personne, homme ou femme, se dit les jeux sont faits et euh, je rentre dans, dans, dans l'hiver de l'existence. Alors là, effectivement, il y a une grande tristesse à continuer à vivre. Mais même un centenaire dit demain et fait des projets. Et il a raison. Il faut vivre en quelque sorte comme si nous étions immortels, même si nous le savons, c'est une illusion, mais c'est une illusion nécessaire. Merci bien. Ces messages de euh Qui è un messaggio hors de la religione, hors de la foi, hors oui, de, de la religione. Sure, oui. C'è un messaggio di gratitudine alla vita. E je pense qu'on peut concludere questa conversazione. Merci bien à Pascal Bruckner. Merci Elena, merci beaucoup à vous. Et grazie a tutto il pubblico di Torino Spiritualità, a cui mi sento di raccomandare ancora una volta la lettura di questo splendido libro per giovani e diversamente giovani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora.